à cette polémique autour du viol de cette fille de 13 ans. Très rapidement, un commentaire. Merci beaucoup pour cette question-là. Je vous avoue que j'ai suivi la formation en protection des droits de l'enfant. J'ai amené beaucoup d'avocats à la formation. Mais vous savez, nous avons un système ici de critiquer le juge hein, sans connaître ce que dit la loi. Un enfant, moins de 14 ans, est absolument et de manière irréfragable, irresponsable. Même s'il est tué 100 personnes, il est irresponsable. À moins de 16 ans, l'enfant est en conflit avec la loi. Qu'il soit victime ou agresseur, quand les gens critiquent le juge, mais il y a une loi. La Constitution dit que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi dans sa mission de dire le droit. Évitons le débat politique des sociétés civiles. Lisez la loi portant protection de l'enfant. Il y a la solution que le juge semble avoir appliquée. Ça peut émouvoir. Professeur Nyabirungo, nous enseignant, il nous disait ceci. Tout fait antisociaux n'est pas nécessairement une infraction. Ce qui reste, c'est que c'est de condamner les civilement responsables de l'enfant agresseur qui sont ses pères et mères après le décès du père à dédommager la victime.